Cette formation est née il y a 3 ans d'un constat, d'une identification d'un besoin, qui est la professionnalisation de la recherche de fonds. Comment ça se passe quand tu es face à ta feuille blanche, puis on te dit la cible c'est ça? Tu te dis, tu penses tout de suite à des outils qui correspondent à ça ou c'est un tout? Déjà, j'aurais tendance à dire, ok, c'est quoi l'objectif exactement que je veux atteindre, qui soit ambitieux mais réaliste aussi. On parle de l'attention, donc il faut capter l'attention des gens. C'est quoi le matériel que vous avez à disposition? Chaque fois qu'un de mes amis me demande par une plateforme de le soutenir pour quelque chose, je peux pas dire non. Vous testez des versions différentes d'une même chose. Avec un petit budget, on peut déjà faire plein de choses. On peut voir ce qui fonctionne ou pas et après le déployer à plus grande échelle. Et il faut surtout ne pas hésiter à stopper intégralement une campagne si c'est pas rentable. Le problème de l'info-obésité, c'est que comme on sort du lot, il faut des images. Le fundraising, c'est des émotions. Puis après, cette personnalisation qui fait qu'il n'y a plus vraiment de frontières, il n'y a plus que des affinités autour de causes. Vous avez un mix de communication qui intègre le fundraising de plus en plus. Le offline est toujours très 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 présent, même si le online croît très rapidement. Ça se digitalise parce que déjà on peut le mesurer, le digital. Chaque donateur devient activiste et pêche dans son réseau. Acquérir de nouveaux donateurs va vous coûter toujours beaucoup plus cher que de ressolliciter vos donateurs. C'est important de faciliter le paiement. Il faut que ça soit rapide et facile. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. On avait des intervenants très pointus, très calés, qui nous ont amené des vraies solutions. Je me dis que c'est des idées qui pourraient être utiles à développer par la suite dans le cadre de mon travail. Il est important d'avoir des profils qui ont pu bénéficier d'une formation de qualité pour être efficaces et permettre de collecter les fonds nécessaires à la réalisation de la mission de l'organisation qui va les recruter.